référer à un texte préexistant, mais la musique propose les impressions ressenties par un sujet face à un paysage. Il y a eu toutes sortes de discussions, ne serait-ce par exemple autour de la pastorale de Beethoven. Est-ce que ça décrit ou si ça, en quelque sorte, décrit et provoque dans celui qui l'écoute des impressions qui sont référées aux impressions ressenties par quelqu'un devant un paysage. Par contre, ce qui apparaît, c'est cette notion de paysage qui est très profondément romantique, puisqu'on la trouve aussi bien dans la peinture que dans la poésie. Et dans la musique, ça va avoir une importance considérable, parce que, par exemple, l'idée de promenade et de parcours dans une nature qui propose à la fois une sorte de vision, de parcours et de présence du passé ou d'évocation du passé, c'est quelque chose d'extraordinairement fort. Et dans les leaders de Schubert ou de Schumann, il y aura... Et même déjà dans un merveilleux cycle de Beethoven qui s'appelle An die ferne Geliebte, à la bien-aimée lointaine, il y a déjà cette présence extraordinaire du mécanisme de la remémoration qui est faite à partir du mélange musique-poème, mais en même temps de toutes sortes de procédés intra-musicaux faire des retours, c'est-à-dire rendre compte musicalement, dans la forme, de ce que c'est que l'opération de la remémoration.